Et bonjour tout le monde, Soximos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui je vais vous montrer une maison à 1€ vs une maison à 1 000 000 €. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes. Une vue est égale à un like. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour. Vous connaissez la chanson. Voilà. Alors, regardez les amis, no fake. La maison que je vais vous présenter à 1 000 000 €, elle est là. Et la maison à 1€, je vous jure, elle était à côté. Elle était comme ça, je savais pas du tout. Enfin, genre c'est une pure coïncidence que ça soit les plots à côté. Mais regardez-moi cette maison. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai construit, c'est Blockcraft 38, c'est son plot et tout. Alors pour ceux qui veulent savoir, on est sur le Creative 2 de Swagouin. Voilà, venez nombreux, vous pouvez venir. Vous avez des parcelles comme ça et tout, et vous pouvez vous-même construire ce que vous voulez. Voilà, les abonnés ils font ce qu'ils veulent. Il y a environ 25 000 parcelles en tout sur les créatifs réunis, un peu plus. Donc voilà, on s'amuse bien. Donc l'IP c'est play.swagouin.com en 1.12.2 et c'est uniquement sur les versions Minecraft PC. Donc voici la maison à 1€. Je pense qu'on peut faire une visite. Regardez, donc magnifique visite de l'extérieur. On est sur une maison plein pied, pas d'étage pour cette maison. Et regardez ça, donc on a des antennes. Voilà, on a une petite aération par ici. Et à ce niveau-là, on a juste une porte d'entrée, voilà. Un petit renfoncement de la porte pour, je sais pas, un espèce d'abri ou j'en sais rien. Et quand on rentre, on a un magnifique espace de vie. je rigole. Ah, c'est horrible. Eh, franchement, la maison en terre, c'est horrible, c'est horrible. Vas-y. Par contre, je pense que le truc le plus cher qu'il y a ici, c'est la porte. C'est le truc le plus cher. Par contre, juste attendez, hop, option, chat s'éteint, opacity, voilà. Ça va un peu moins vous embêter. Alors maintenant les amis, on va passer à la maison à 1 000 000 €. Parce que ça, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous montrer. Vraiment, c'est la maison à 1 000 000 €. Donc regardez-moi ça, c'est le gros bordel. Il y a trop de trucs à visiter. Eh les amis, on va jamais en terminer. Il y a beaucoup trop de trucs à visiter. Je pense que c'est la meilleure villa d'abonnés que j'ai visité de toutes mes visites en fait. Et c'est Truit du 10 qui a fait ça. Très joli pseudo au passage. Eh bien on va commencer les amis. Du coup par le piano, magnifique piano repris du tuto de Kirk qu'il a fait il y a pas longtemps. Alors après je sais pas s'il a repris du tuto de Kirk ou d'un autre tuto, mais c'est vraiment pas mal. Ici on a d'une chute d'eau avec je sais pas, on dirait une espèce de piscine à débordement mais à l'envers, puisque c'est pas une piscine et que ça déborde sur l'endroit à vivre. Mais c'est très très joli et c'est bien stylé. On a des espèces de placards avec des fours. On pourrait croire que c'est genre un espèce de barbecue, ouais, ça peut être ça. Eh, c'est vraiment stylé ça. Et c'est quoi? C'est des transats dans l'eau, ça? C'est des trucs flottants, je suppose. Là, on a un arbre exotique assez sympa. Et on a des espèces de... Ah ouais, c'est des espèces de ponts en bois qui sont surélevés par rapport à l'eau. Et ça fait des espèces de petites passerelles sur les îles et tout. Ça, c'est vraiment stylé par contre. Ah, j'avais pas vu exactement ce que c'était. Ouais, ça, c'est pour protéger, c'est pour l'ombre, pour protéger du soleil. Et on a des endroits bien sympas. Purée, mais c'est trop stylé. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous aimeriez vraiment vivre dans ce genre de maison-là. Eh, ça serait mon rêve de vivre dans cette ville-là et tout. Tu te lèves, pépouze. En plus, si vous travaillez depuis chez vous, c'est encore mieux. C'est encore plus le feu. Franchement, c'est là le feu, c'est trop bien. Là, on a encore des canapés un petit peu avec un petit feu et tout. C'est vraiment sympa. Salle de sport, les amis. Une salle de sport en plein air. Ça, c'est ouf. La salle de sport en plein air. Là, ici, on a un petit banc pour faire des développés couchés. Là, on a des haltères et tout. Des trucs bien vénères, tu vois. Bon, par contre, les amis, la feuille qui est ici, c'est pas... Je ne prône pas ce genre de pratique, les amis. C'est quoi, ça? Ils ont fait une feuille de... Voilà, quoi. C'est pas très légal tout ça. Oh, par contre il y a une aire de jeu. Regardez, là aussi c'est bien vénère. Regardez, ils ont un mini parc d'attractions, je sais pas pour je sais pas quoi ça sert, mais j'approuve puisque... Alors attendez, en fait c'est une visite ah ouais d'accord, ils ont fait des espèces de montagnes russes. Par contre j'aime beaucoup le toboggan. Voilà, j'aime beaucoup le toboggan. Voilà, bon, on est bloqué dès le début, mais c'est pas grave, le but c'est d'arriver ici et faire... Voilà, on fait comme ça, et hop là, et là on tombe dans l'eau directement, c'est parfait.
C'est parfait les amis. Donc on a un espèce de toboggan qui est vraiment bien fait. Oh, il y a une cabane dans les arbres. Oh, c'est super. Ah, ça j'adore. Oh, ça j'adore. Attendez. Hop là, on va grimper. Ah, par contre, je suis un grand fan de cabane dans les arbres comme ça. Surtout dans Minecraft, je trouve ça trop stylé. Waouh, on a une petite abeille. On a un gâteau. On a pas mal de trucs et tout. Red Bull. Ah oui, ça se met bien. On est sur des bons bails. Et si on a une télé, ah j'adore. Et franchement j'adore comment il a aménagé en plus. Purée je kiffe. Et là on a encore un toit, c'est ça, on peut grimper sur les arbres. Ah on a une mini terrasse. Oh mais j'adore comment elle est aménagée sa maison. Oh ouais, franchement j'adore. Je sais, en vrai je vais la réutiliser peut-être sa maison. C'est, franchement elle est vraiment sympa. Alors ici on a un mini terrain de foot. Mini terrain de foot assez sympa aussi. On est sur des bons bails. Ok, là qu'est-ce qu'on a ici? Un petit feu, ok. Ah, wow, j'ai cru c'était une piscine. Et puis s'il avait mis une piscine ici. Ouais non, c'est juste un coulis et tout. Eh, pour une chambre c'est vraiment pas mal. Mais je vous dis, s'il avait racheté une piscine au lieu du lit, oh, comment ça aurait été fait 10 fois plus propre. Enfin comment ça aurait fait franchement ça aurait été 10 fois mieux. Ici on a une espèce de coin posé, de salle de bain et tout. Ah j'adore cette ambiance, avec le shader c'est tellement beau. Waouh, c'est reposant. Je suis en train de penser à un truc, mais ça n'a rien à voir. Mais genre ASMR, ça fait un peu ASMR. Enfin, je regarde pas d'ASMR, mais ça fait un peu relaxant, tu vois. Et là, j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'on pourrait faire un ASMR Minecraft dedans? Ça serait énorme. Genre, si quelqu'un a le même shader que moi, il fait hey, les amis. Enfin, je vais pas faire de l'ASMR, je sais pas, moi je regarde pas. Mais c'est reposant en fait d'être ici. Même dans Minecraft, c'est reposant. C'est ouf. Bon voilà, hop, c'est vraiment sympa. Après je sais pas si je pète un câble, mais c'est parce que j'ai passé une petite journée avec mes amis Kirk et tout. Alors voilà, on était à Rennes et j'étais avec Twinner, j'étais avec Kirk, j'étais avec Talcado, Nathan, La Fourchette, plein d'autres potes. Donc voilà, j'ai passé une magnifique journée. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu qui sont ces gens, bah voilà, c'est des amis youtubeurs à moi. Je pense que vous connaissez au minimum Capitaine Kirk ou Twinner. Bah voilà, on a passé une magnifique journée, enfin un magnifique week-end ensemble. Et là, je reviens de ce week-end assez mouvementé. Par contre, ça c'est trop bien ça, cette piscine à débordement. Genre en gros, t'es comme ça, c'est un espèce de jacuzzi. Et hop, dès que t'as la flemme, t'en as marre de cette piscine, zloup, tu plonges dans celle-là. Non, en vrai c'est vraiment sympa ça. J'aime beaucoup. Ok. Là on a un arbre un peu style japonais qui donne des petites fleurs roses et tout, c'est vraiment sympa. Ok, j'approuve. Et là on a encore des chemins en bois ici, hein. On a encore des chemins en bois, c'est vraiment sympa. On ira visiter la maison à la fin, vous inquiétez pas. Ouah, le hamac, oh il est vénère le hamac, il est énorme. Ouah, vous savez que d'habitude un hamac c'est pile la place pour une personne. Si on prend en compte que mon corps de Minecraft ça fait 2 blocs, le hamac il est pas censé faire plus de 3 blocs comme ça, hein. Il est énorme le hamac là. C'est un hamac pour une famille, c'est familial. C'est familial, c'est convivial. Voilà, oh waouh. Et là on est encore, du coup là on revient sur le truc des îlots. Et on revient là dessus ah, c'est vraiment bien fait, franchement GG à truc du 10, je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou si c'est une schématique ou j'en sais rien. Mais si c'est lui, okay, c'est bien fait. C'est vénère pour l'instant. Donc là on a encore un jacuzzi, je sais pas trop ce que c'est. Là on a un lac qui arrive dans la maison. Et waouh, il a un bien pot de Nutella. Ah, il s'est bien servi des têtes en tout cas. Alors regardez, en fait on a changé les menus et tout. Donc si vous voulez venir voir, on a changé plein de menus. Liste des plots, acheter un plot, reset un plot, obtenir un plot, parcelle soigouin. Donc parcelle réservée au soigouin. Là on peut accéder au créatif 1. Là vous pouvez changer le sol. Plot chat, donc voilà, vous avez un chat exprès pour votre plot. Liste des têtes, changer le spawn, mettre de la musique. Vous pouvez mettre de la musique dans vos plots. Et voilà, pour les soigants, vous avez voilà des devices, misc et tout. Vous avez plein de trucs. Et vous pouvez avoir des têtes de partout. Voilà, vous pouvez, franchement, vous pouvez avoir des têtes de fou. Donc voilà, ça c'est les trucs réservés aux soigants. Si vous voulez acheter un petit grade et tout, ça permet de me soutenir. Il y en a plusieurs personnes par jour qui achètent un grade. Ça fait v'là plaisir, donc merci beaucoup à tous ceux qui achètent des grades sur Soigouin. Ça permet de bien me soutenir et de payer les machines, tout ça. Et voilà, c'est vraiment cool. Donc merci beaucoup à tous ceux qui achètent les grades. Vous avez même accès à plein d'autres, plein d'autres avantages, notamment avoir les têtes, tout ça. Donc voilà, pot de Nutella, écran plat et tout. Franchement, c'est vraiment sympa. Là, on est sur une cuisine
Space Cake. Ah oui. Eh mais le gars qui a fait cette maison, il est pas que bon builder, il est sur des délires chelous aussi parce que Space Cake. Hop là, on mange des petits gâteaux. Ok, là on a des fours. On est sur des trucs assez sympas. Donc voilà. Bon, en tout cas la cuisine est vraiment jolie. Là, on peut monter à l'étage. Ici, il y a quoi? Ici, il y a juste une salle comme ça. Ok, c'est juste comme ça. Est-ce qu'il y a un garage? Il y a pas de... Je l'ai pas vu, je crois. Interdit. Bon, bah, c'est interdit, les amis. Vous savez quoi? Oh non, mais ils abusent. À cette période, ne pas allumer. Oh, et cette période, allumer égale ne pas allumer égale. Quoi? Oh, mais ils abusent. Oh là là, ils font pousser des petits arbustes. Ok. Alors. Ok. Bon délire. Alors, du coup, là, on a. Oh, c'est un espèce de mini-étage avec encore une autre piscine. Eh, mais ils aiment bien la baignade ici. Hein. Ils aiment bien la baignade. C'est une activité qu'ils font en famille, tout ça. En tout cas, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. J'avais même pas vu que c'était là en fait. J'avais même pas vu qu'il y avait une piscine ici quand je me déplaçais. Par contre, c'est quoi ça? C'est pas fini ça? J'avais même pas vu que c'était une piscine. Oh, ça c'est sympa. Mais attendez, je vais vraiment me remettre au bon endroit, voilà. Donc on va rentrer par là et on va repasser par là où on était. Donc ça on a visité, ça il y a pas grand chose je pense. Oh, on peut passer par là. Encore une piscine, je suppose, voilà. Ou on peut descendre des étages en plongeant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là on a des remparts un peu, voilà. On a des mini murs. Et là on part par derrière. Ok. Donc je pense qu'on a tout vu par ici. Là on a vu vite fait. Là on a vu. Vas-y, on va monter à... Oh, j'allais dire qu'on allait monter à l'étage, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah oui. Eh, hey, quand je parlais de garage tout à l'heure. Eh, hey, c'est là que ça gare la Lambo. Bah oui. C'est là que ça gare la Ferrari, la Lambo et tout. Lamborghini, Ferrari, ça c'est pour moi. Ça c'est pour madame. Voilà. Ah, je dis pas que le rose et tout c'est fait pour les filles, mais voilà, on est en 2019. Oui, je sais, on est en 2019. Police nationale, voiture volée. Eh, j'en étais sûr, c'est la voiture des Condés, ils l'ont volée. Voilà. Eh, c'est un peu des délinquants dans cette maison par contre. Ils font pousser des petits arbustes, voilà. C'est pas le meilleur truc ça. Alors du coup, ça on a vu. Ok. Donc on va monter dans les étages maintenant et je vais prendre les escaliers pour ça et j'ai vraiment hâte parce que franchement, ils nous mettent vraiment bien. Alors c'est parti les amis, la deuxième partie, si on peut appeler ça, de la villa. Eh, franchement, si je pouvais vivre là-dedans plus tard, un jour, je vous jure, un jour, si je vis dans une villa aussi grande, j'invite des abonnés et on fait des fêtes et tout. Je vous jure qu'on fait ça, si un jour j'habite dans une villa. Mais c'est pas gagné parce que là, je suis en train d'économiser avec l'argent YouTube pour m'acheter un appartement dans Rennes. Voilà. Oh, il y a des toilettes, c'est super cool. Et comment vous dire que même avec de l'argent que je n'ai pas, avec des prix ultra élevés, j'ai des 11 mètres carrés. Donc 11 mètres carrés, c'est quoi? C'est vivre là-dedans. C'est vivre là-dedans. Bonjour, je vis dans un 11 mètres carrés, c'est tout. Voilà, c'est 4 murs et tout. Là, on est sur du 2000 mètres carrés en termes de surface. Rien que la maison, hein, parce qu'avec le jardin, on est sur du 5000 mètres carrés, je pense. Vraiment. Alors, du coup, j'ai pas trop. Alors là, on est encore sur des canapés. Ok, canapé. Il y a plein de canapés. C'est quoi ça? Oh, c'est un bar. Alors attendez, on va se mettre là. Voilà, c'est bon, on s'assoit. Regardez, hop. Alors monsieur, je vous donne vodka black, sky, champagne, blanc, rouge, rosé, pastis, jet, lilet. Je sais même pas que ça existait ça. Liqueur divers, sirop soft. Ah ouais, on est sur des bons bails. Allez, c'est parti, on descend. Je suis breton, les gars, faut pas mettre devant un truc d'alcool. Bar platine. Ah oui, on est sur une piste de... Ah ouais, là il y a un DJ et tout. Ah ouais, il mixe. Ah, franchement c'est chambé. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des canapés avec vue sur un giga canon. Je sais même pas ce que c'est. On a un petit lit assez posé. Un bureau. Une baignoire. Là on a des toilettes. Ok. Et on revient là où on était, je suppose. J'arrive pas à me repérer. On n'est jamais allé ici. Non, on n'est jamais allé. C'est une chambre. C'est une chambre à part entière avec une salle vide. Ah, mais ils ont vraiment pratiquement tout aménagé. Oh là là, ok. Mais franchement, ils sont motivés. Hein. Mais j'ai l'impression d'être déjà passé par là. Oui, je suis déjà passé par là en même temps. C'est totalement normal. Allez, on va passer à l'étage encore au-dessus. Hop là. Ouais, yeah. Là, une salle vide. Oh, il y a encore... Oh, salut toi. Tu vas bien?
Tu vas bien, frérot? Alors du coup, ça c'est un petit truc, tu peux escalader les murs comme ça. On va pas le faire parce que... Eh, on n'est pas... C'est pas notre maison, ok? On escalade pas les murs chez les autres, chez les inconnus. Alors, oh, des bornes... Ah, bornes d'arcade pour jouer aux jeux vidéo, ça c'est sympa. J'aime beaucoup. Là, on a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Soit c'est un bac avec des peluches, ou soit c'est une espèce de cage avec des enfants, et là c'est glauque. Là c'est glauque. On a encore un lit, ok. Tac tac tac, ok, bon bah voilà. Oh, il y a encore des gens, ils se barrent. Ils visitent les constructions. Bon, elle est comme ça. Ah, c'est vraiment sympa en tout cas. Je vais aller voir vers là-bas ce qui se trame. Là. Mais en fait, il y a tellement d'endroits à visiter, je suis perdu. Ah, c'est les pour les enfants. Oh, c'est la chambre pour les enfants, c'est trop mignon. Ah, il n'y a rien ici. Ah, c'est trop mignon par contre, avec les petites peluches et tout qui font des sourires. C'est trop mignon. Allez, du coup, là c'est bon. Là c'est une cuisine. Ah ouais, c'est l'étage pour les enfants. D'accord. Et franchement, c'est vraiment sympa. Par contre, comment monter? Je crois que c'est là. J'ai même pas vu qu'on pouvait monter par. Enfin, j'avais vu de l'extérieur, mais j'avais pas vu à quoi ça menait. Donc, on va monter par là. Voilà. Et là, je pense qu'on arrive dans les derniers étages. Parce qu'il y a même plus de. Après, il y a quelques toits, mais c'est pour l'hélicoptère. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Alors. On a des trucs pour se mettre une magnifique vue, tu vois. Tu te mets une magnifique vue dans les yeux. Bon, là, il n'y a pas grand chose. On a une vue sur les constructions des autres abonnés, des petites forêts et tout, c'est sympa. Ok, ok. Lui, il va me coller tout le long, lui. Oh, là, il y a une piscine un petit peu avec de l'ombre, ça, c'est sympa. Hop là. Ok, ok. Là, on a encore des canapés. Puis, ils aiment bien les canapés et tout ça. Il y en a à foison. Là, on a un barbecue à moitié. Ok, des petites tables pour manger. Encore un canap. Et là, on a une grande baie vitrée qui peut se refermer. Elle se referme avec ça. Genre, tu passes ici comme ça. C'est trop bien fait. J'adore. Franchement, j'adore. C'est vraiment beaucoup trop bien fait. Là, on a le truc pour les enfants. Tout ça, tout ça. Là, on vient de rentrer. Ok. Et là, si on monte, du coup, c'est bien ce que je me disais. On a l'hélicoptère normalement. Ah non, ça c'est avant l'hélicoptère, il rajoute des étages pour rien. Bon écoutez, on est riche, on fait comme ça. Et là, on a l'hélicoptère pour se barrer, pour faire une petite virée entre amis. Ah non, franchement, c'est vraiment sympa. Bon bah, on a visité toute la maison les amis, c'était pas facile vu comment c'était grand. Mais franchement, c'était un truc de fou. Allez, maison à 1€, veste, maison à 1 million d'euros. Je valide les amis, qui aimerait vivre là-dedans? Dites-le moi dans les commentaires, perso moi c'est je veux vivre là-dedans. Plus tard, voilà, c'est 100% mon rêve. Je veux vivre là-dedans et faire des soirées avec les abonnés et tout, ça va être fou. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, c'est le plus important. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça c'est vraiment le plus important, vous êtes plus de 1500 à vous abonner chaque jour. C'est un truc de fou, les amis, je vous aime. Allez, cliquez sur le lien Utip. Voilà, le lien Utip, c'est en première ligne de description. Vous cliquez, vous mettez regarder une pub. Et en gros, vous cliquez sur une pub qui me rapporte un petit peu de sous. Et ça permet de me soutenir aussi. Voilà, merci beaucoup. Connectez-vous à Swagwan, tout est dans la description. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Oximo. Bonne journée.